n'y a pas de raison. C'est pas de ton âge. Moi, je pourrais y aller. Tu vois, j'y vais pas. Avec toi, j'y vais pas. Oui, tu peux regarder. Du moment que tu vas pas sur le trottoir d'en face pour aller voir la vitrine, ici, tu peux regarder. Les enseignes, elles sont quand même assez jolies. Hein. Mais non, tu sais certainement pas ce que c'est. Ça, c'est des personnes qui s'habillent d'une certaine manière pour aller ensuite dans des endroits bizarres, je sais pas, mais en tout cas, aller faire des choses avec des compagnons. C'est des couples qui ont besoin, à un moment, de retrouver un peu d'élan. Et donc, ils s'habillent avec du cuir, avec des latex, en rose, en noir. Et voilà. Il y en a qui payent pour s'offrir une fille. Ou alors, il y a des vieilles dames qui s'offrent aussi des fois des garçons. Ah, c'est aussi simple que ça. C'est très, très ancien. Hein. C'est le plus vieux métier du monde. C'est la prostitution. Ouais. Tu connais la prostitution? Avant, on appelait ça les filles de joie. Voilà, maintenant, c'est de la prostitution. C'est les filles de l'Est. Et avant, il y avait un moment, ils avaient mis des maisons closes qu'ils ont fermées. Des notables. Voilà, bien souvent, c'était des notables. Mais il n'y avait pas que ça. Des gens qui avaient des garçons qui venaient, des messieurs, qui rentraient dans des endroits où il y avait un tas de filles. Un tas de filles qui choisissaient. Ils disaient, tiens, ce soir, je vais prendre elle. Tiens, ce soir, je vais prendre une brune, une blonde. Une plus âgée, tu vois, un peu comme quand on fait les courses au supermarché. Voilà, mais pour moi, c'est pas ça, la sexualité. La sexualité, c'est autre chose. Et la sexualité, ça peut être très joli ou très moche. Voilà. Comme je te disais l'autre fois, c'est comme l'art contemporain. Bah, c'est pareil. Bah, là, il y a des gens qui ont besoin d'aller se détendre parce qu'ils n'ont plus de femmes, parce qu'ils n'ont plus personne, parce qu'ils ont perdu leur femme, ou parce que même ils sont avec leur femme, puis ils s'embêtent un peu, donc ils se réunissent tous ensemble avec des copains et des copines, et puis ils font ça à plusieurs. Et avant, ils vont s'habiller dans les